communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger rappellent le lien ancestral qui lie le peuple du Niger au peuple frère du Bénin, avec lequel nous avons les mêmes populations et les intérêts communs. Ce lien devenu institutionnel a facilité la signature d'un accord de coopération militaire entre nos deux pays. Toutefois, ce pays, face à la situation sécuritaire, politique et économique, a décidé d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir. En effet, la République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires et matériel de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CEDEAO contre notre pays, malgré l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant nos deux États. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade et, après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations du dit accord, décide de dénoncer l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 conformément à son article 23 et au préavis de 6 mois.